Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, du coup, vous êtes actuellement un petit peu plus de 50 à être connectés, ça monte petit à petit. On avait à peu près 150 inscrits pour cette matinée. Donc, peut-être pour vous donner quelques petites consignes sur ce temps du matin, sur la diapo. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Est-ce qu'on m'entend? Isabelle? Merci. C'est anormal à mon avis. Donc, pour les consignes, du coup, bien sûr, écoutez l'animateur ou l'animatrice de la réunion. Si vous avez des questions, donc elles seront prises en compte. Utilisez plutôt questions-réponses plutôt que les commentaires, donc converser. Pour qu'on puisse avoir un suivi de vos questions et qu'on puisse savoir à quelle question on a répondu, à quelle question on n'a pas répondu. Il y aura quelqu'un qui sera chargé de recenser vos questions, éventuellement les condenser. Bon, comme on est en webinaire, c'est un peu plus difficile pour gérer les interventions. Et puis bien sûr, si vous posez des questions, donc merci de vous présenter et de décliner un peu votre identité, la structure que vous représentez, etc. Si vous voulez prendre la parole, pareil, plutôt dans QR, et là aussi, on aura quelqu'un qui va pouvoir recenser les demandes d'intervention. Le module converser, c'est plutôt si vous voulez faire passer un message aux autres, aux intervenants ou aux participants. Bien sûr, on coupe son micro dès le départ et on ne prend, enfin, et quand on ne prend pas la parole, mais ça se dirige beaucoup aux intervenants. Donc, pour commencer, moi, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est le Club des collectivités très rapidement. Ensuite, on aura une petite présentation du TEDIF par Isabelle Robineau-Bertrand et une petite introduction par Steve Lewis de la Crèce Île-de-France qui a travaillé sur la transition écologique en lien avec l'ESS pour l'ADEME. Donc, le Club des collectivités, c'est un projet qui est proposé par la Crèce Île-de-France. Donc, la chambre régionale de l'ESS en Île-de-France, qui représente les structures ESS d'Île-de-France, le RTES, qui est un réseau de collectivités engagées sur l'économie sociale et solidaire, et l'association des maires d'Île-de-France, et parrainée aussi par une structure ESS qui est la Mutuelle nationale territoriale. Le Club des collectivités, c'est un espace d'échange de pratiques et d'expériences. Donc, c'est un espace qui permet en fait aux collectivités de pouvoir
partager ce qu'elles font sur l'économie sociale et solidaire. C'est plutôt conçu pour les collectivités, donc agents et élus, pour qu'ils puissent échanger autour de leurs pratiques. Il y a une rencontre tous les trimestres. Aujourd'hui, c'est la quatrième rencontre. La première a eu lieu sur la thématique des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC. La deuxième sur l'accompagnement des structures ESS. Et la troisième sur la commande publique responsable. Voilà, et vous pouvez retrouver les comptes rendus de ces précédentes réunions sur le site internet de la CRES et du RTVS et d'autres et des autres partenaires. Voilà. Alors aujourd'hui, la thématique de la réunion, c'est la transition écologique et énergétique des structures au niveau des structures de l'ESS. C'est un temps qu'on vous propose en partenariat avec le TEDIF, qui est aussi un réseau de collectivités, là plutôt sur la question de la TE. Et donc ce club n'est pas uniquement un club des collectivités, c'est aussi un atelier TEDIF. Et je vais laisser Isabelle Robineau-Bertrand vous présenter ce que c'est le TEDIF. Oui, merci Léo. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau, donc moi je suis Isabelle Robineau-Bertrand, je travaille au CEREMA et j'ai en charge l'animation du réseau TEDIF. Si tu peux remonter 2 secondes à la diapo précédente, juste pour dire que le réseau TEDIF, il existe depuis 2002, ça veut dire Territoire, Environnement, Développement Durable en Île-de-France, et c'est copiloté par 5 structures dont vous avez les logos en bas à droite. Donc la DRIE, hein, les services de l'État en région sur les questions d'environnement, l'ADEME, le Conseil régional, l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat qui fait partie de l'Institut Paris Région, et le CEREMA auquel j'appartiens. On mutualise un certain nombre de moyens et surtout du temps de travail. Dans l'objectif de faciliter la transition écologique et énergétique sur les territoires d'Île-de-France. Donc, nos activités, elles sont complémentaires à l'appui que chacun des partenaires apporte déjà aux collectivités locales. Et pour aller très vite, le gros de notre activité, c'est l'organisation de temps d'échange, un peu dans le même esprit que le club que Léo vous a présenté. Donc, pour que les collectivités puissent échanger bonnes pratiques, tuyaux, etc. Selon les thématiques, vous voyez, là, vous avez un exemple des derniers événements. On travaille sur les questions de résilience, d'adaptation, mais aussi sur l'alimentation. On a fait un événement sur l'économie circulaire, sur la commande publique. Et selon les thématiques, on s'associe avec d'autres réseaux d'acteurs dans l'idée de faciliter pour nos collectivités membres du réseau TEDIF l'accès, la découverte d'autres acteurs qui peuvent les aider dans leurs projets. Voilà, très rapidement, on produit également des panoramas, des cahiers et comptes rendus de ces événements. Vous pouvez tous les retrouver sur notre site www.tedif.org. Voilà, et c'est donc avec grand plaisir que on co-organise avec le Club des collectivités engagées dans l'ESS en Île-de-France cet événement. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Donc là, la séquence suivante de la matinée, il va y avoir une présentation de l'étude menée par la CRES et l'ADEME sur l'ESS et la transition écologique. Donc Steve, ça va. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Steve Lewis, je travaille à la Chambre régionale de l'ESS. Et effectivement, comme ça a été dit, dans le cadre d'une convention qu'on a avec l'ADEME, on a mené une étude sur les structures de l'ESS en Île-de-France qui étaient impliquées dans des activités de transition écologique et énergétique.
Est-ce que ce serait juste possible de passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà. Donc l'étude, elle a été publiée en février. Là, elle est sur la droite. Vous pouvez la trouver sur le site de la CRES. On vous enverra le lien suite au webinaire. Donc en fait, l'idée de cette étude, c'était de se dire que bon, ben voilà, il y avait un défi écologique qui posait des questions tant sur le climat que sur les ressources, que sur la pollution, et que là-dessus, il y a quand même un certain consensus pour dire que voilà, faut trouver d'autres modes de production, faut trouver d'autres modes de consommation, faut trouver une alternative. L'ESS, elle se revendique d'une alternative. Elle porte des valeurs qui lui sont propres et qui s'incarnent dans certaines caractéristiques comme la lucrativité limitée, la gouvernance démocratique et une finalité qui dépasse le simple objectif des profits. Donc l'idée c'était de voir comment est-ce que territorialement cette alternative que représentent les structures de l'ESS, qu'est-ce que ça représentait sur les territoires en Île-de-France, où est-ce qu'on en était. Donc, grossièrement, l'idée, c'était de faire un état des lieux des structures de l'ESS, de faire un peu une typologie d'acteurs, d'essayer de voir comment est-ce que ces structures fonctionnaient, en quoi elles s'inscrivaient dans des objectifs de développement territorial. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. Aujourd'hui, on va avoir un objectif un petit peu plus modeste dans le cadre de cette rapide présentation. On va juste essayer de faire une recension thématique des acteurs de l'ESS. Essayer de voir quel type d'acteurs on peut avoir, sur quelle thématique, et essayer de compter, quand on arrive à le faire, combien il y en a en Île-de-France et qu'est-ce que ça représente sur les territoires. Est-ce qu'on pourrait avoir la diapo suivante? Super. Donc voilà, on va passer un petit peu de temps sur cette diapositive. Donc nous, on a travaillé sur cinq thématiques dans le cadre de ce travail. La première qui est le réemploi, la réutilisation, la réparation. La deuxième qui est une grosse thématique qui ramasse plein de choses différentes, qui est agriculture et alimentation. On a également travaillé sur la mobilité tant des personnes que des marchandises. On a travaillé également sur le secteur du logement et du bâtiment. Et finalement, on s'est intéressé à une dernière thématique qui était la thématique de l'énergie. Alors, au niveau du réemploi, de la réutilisation et de la réparation, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un secteur d'activité assez historique des structures de l'économie sociale et solidaire. On a des acteurs qui ont une certaine antériorité, qui essayent le plus souvent d'allier à la fois la valorisation d'objets dont les gens se débarrassent et l'intégration des personnes. Alors, ça peut passer par de la réinsertion, ça peut passer par de l'hébergement, etc. Donc voilà, on a des acteurs, des acteurs historiques assez connus, Emmaüs, Envie, les ressourceries, les recycleries. Le numérique a quand même changé pas mal de choses au niveau de ce secteur-là, et on a vu apparaître aussi des acteurs qui étaient vraiment des acteurs numériques qui essayaient d'optimiser un petit peu la valorisation des objets, ce qui permet de limiter la production des déchets. Donc si on essaye de les compter, alors c'est pas facile parce que c'est des structures assez différentes. On a fait du mieux qu'on a pu et on est arrivé à un résultat de 163 structures employeuses sur le secteur du réemploi, de la réutilisation, de la réparation. Je précise employeuses, c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de structures bénévoles, avec quand même une certaine segmentation territoriale, c'est-à-dire qu'on les retrouve beaucoup plus dans les milieux urbains assez denses, et que dès qu'on quitte ces milieux urbains denses, les structures se font beaucoup plus rares. Sur l'agriculture et l'alimentation, alors là, l'ESS est très présente dans différentes sous-thématiques que je vais essayer de survoler très rapidement. Alors déjà, la thématique des circuits courts, où les AMAP, qui sont des associations, on en compte plus de 345 en Île-de-France, elles représentent plus de 19 000 familles adhérentes.
sur d'autres circuits courts qui fonctionnent plus sur le mode de l'insertion, on compte aussi une dizaine de jardins de cocagne. Ce qui est intéressant, c'est que ces circuits courts étaient vraiment au début adressés plutôt à des citoyens, à des consommateurs qui étaient des individus ou des familles, et qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui essayent d'approvisionner des structures de restauration collective en circuit court, et certaines d'entre elles font partie de l'économie sociale et solidaire, et on en aura un exemple dans une des présentations de cet après-midi avec la coopérative Bio-Île-de-France. Autrement, sur l'agriculture, on voit aussi quelques acteurs qui ne sont pas nombreux, mais assez importants, qui font de l'accompagnement, de la formation. On peut penser au champ des possibles, hein, qui accompagne des porteurs de projets agricoles à partir du moment où ils commencent d'avoir l'idée jusqu'à la réalisation de leur projet. Ça permet de pallier à un grand déficit de la population agricole, hein, que ce soit des exploitants agricoles ou que ce soit des salariés. Il y a un grand déficit. Au jour d'aujourd'hui, Terre de Liens avait accompagné 26 agriculteurs vers l'installation. C'est aussi des structures qui sont actives sur des questions assez importantes, hein, comme la préservation des espaces fonciers agricoles qui sont rares en Île-de-France. On les trouve aussi sur l'agriculture urbaine. Alors là, il y avait des formes historiques, hein, qui étaient celles des jardins partagés, celles des jardins familiaux. Aujourd'hui, en Île-de-France, on compte 47 jardins familiaux et 191 jardins partagés, qui sont des structures intéressantes, hein, qui permettent de faire de la sensibilisation, d'apprendre le cycle des saisons, etc., qui ont des effets positifs aussi en végétalisant la ville. Il y a quelque chose qui est quand même plus récent sur l'agriculture urbaine, c'est des structures d'agriculture urbaine, mais qui ont une fonction productive beaucoup plus assumée. Donc, on pense notamment aux paysans urbains ou à des nouveaux projets qui sont d'ampleur assez importante, hein, comme la tour maraîchère ou la ferme du rail qui a ouvert très récemment. Voilà, ça c'était sur le volet agriculture. Il y a aussi pas mal de structures sur le volet alimentation. On peut penser à des magasins coopératifs comme les Biocop. On en compte 70 en Île-de-France. Les nouveaux Robinson, on en compte 19. Ça, c'est intéressant parce que les supermarchés sous forme coopérative avaient un petit peu disparu, et c'est effectivement à l'occasion d'un renouvellement des pratiques alimentaires et des pratiques de consommation qu'on a vu que ils se sont réinstallés en force alors qu'à la fin des années 80, ils avaient à peu près disparu du paysage. Il y a aussi des nouvelles formes, hein, qu'on appelle les supermarchés coopératifs, type la Louve. Il y a un certain engouement autour de ça. C'est des structures qui font pour aller faire ses courses dedans, il faut être adhérent. Et pour être adhérent, il faut participer à la gestion du magasin. Donc là, on en compte 4 en activité à Paris. Et il y en a 7 qui sont en projet, donc des projets qui peuvent être en grande et en petite couronne. Et puis, évidemment, pour terminer sur le volet alimentaire, hein, l'ESS est très présente également sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire, où on compte plus de 500 associations qui principalement valorisent les excédents de la grande distribution. Mais on voit qu'il y a quand même aussi, là encore, hein, le secteur de la restauration collective qui commande d'être investi par ces associations-là pour diminuer le gaspillage alimentaire dans le cadre de la restauration collective. Voilà, il reste 3 thématiques sur lesquelles je vais passer assez vite parce qu'il y a moins d'acteurs différenciés. C'est la question de la mobilité. Alors, mobilité ou la mobilité des personnes, hein, avec beaucoup, principalement des ateliers vélo. On va en avoir un exemple cet après-midi dans une présentation, donc je ne vais pas trop détailler, juste pour dire qu'il y en a 63 en Île-de-France qui mènent aussi des activités, hein, qui rentrent dans le cadre de la réparation et de la réutilisation. Et une étude de l'ADEME a montré que, du point de vue des collectivités, c'était des structures qui étaient très intéressantes, qui permettaient de favoriser la pratique du vélo, à un coût qui était relativement faible par rapport à d'autres solutions. Activité assez en émergence, assez récente, hein, qui est la question de la cyclo-logistique.
Myriam en parlera par la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment une activité un petit peu en émergence. On voit un foisonnement de modèles très différents. Il y en a qui fonctionnent sur de l'insertion, il y en a qui fonctionnent sans insertion, mais vraiment spécialisés sur les questions de cyclo-logistique. Et puis, on a d'autres modèles qui sont un peu hybrides, qui mènent plusieurs activités et dont la cyclo-logistique est une des composantes. En dehors du vélo, on peut penser à d'autres acteurs hein, comme Mobicop, qui sont connus pour leur application de covoiturage sous forme coopérative. Mais voilà, ils aident aussi les collectivités dans leur plan de mobilité en apportant une certaine expertise. Thématique suivante, c'était la question du logement et du bâtiment. Là, l'ESS est relativement présente, notamment sur les questions de rénovation énergétique, où c'est souvent des associations comme les agences locales énergie-climat qui assurent le premier niveau d'orientation des particuliers pour les aider à se repérer un petit peu dans tout ce foisonnement de dispositifs assez compliqués qui permet d'obtenir des financements dans le cadre de la rénovation énergétique. Et pas mal de structures qui ont également développé des activités de lutte contre la précarité énergétique, souvent en lien avec d'autres acteurs du secteur social. Autre type d'activité qu'on a sur le bâtiment, la question du réemploi des matériaux de déconstruction, question importante en Île-de-France, surtout en ce moment où il y a de grosses opérations de BTP avec le Grand Paris Express, avec les JO, etc. Les déchets du bâtiment, ça représente des volumes qui sont extrêmement importants. Donc, l'idée, c'est de se dire que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'utile de ces déchets, qu'on pourrait en faire des matériaux. Et donc là, c'est une activité qui est un petit peu en émergence, où on trouve quelques exemples assez ponctuels sur des chantiers. Je pense notamment aux activités que peut mener Réagi. Il y a beaucoup de volonté politique de développer ces activités. Toujours est-il que pour l'instant, on a du mal à généraliser cette activité qui reste assez ponctuelle et circonscrite à certaines opérations. On a aussi quelques acteurs de l'ESS qui font de l'éco-construction. Alors là, on trouve des choses assez diversifiées, hein, comme essayer de monter des filières bois, essayer de valoriser, de promouvoir, de sensibiliser à l'utilisation de nouveaux matériaux, comme par exemple la terre crue ou des choses comme ça. Donc là, il y a pas mal de choses qui se font à ce niveau-là, qui sont très innovantes au niveau du PTCE construire solidaire, si vous voulez aller regarder. Et dernier secteur, très rapidement, la question de l'énergie. Alors là, c'est intéressant parce que c'était un secteur qui n'était pas du tout investi par l'économie sociale et solidaire. Hein. Il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose encore. Et maintenant, on a un acteur que vous devez sans doute connaître, hein, qui est Enercoop, qui permet de fournir, qui est un fournisseur d'électricité. Donc, on a la garantie qu'elle est issue d'énergie renouvelable, donc c'est un moyen de soutenir l'émergence des filières d'énergie renouvelable. Et plus récemment, un autre acteur qui est apparu, qui s'appelle Énergie Partagée, qui accompagne les collectivités et des collectifs de citoyens pour monter des projets d'électricité, de centrales électriques citoyennes. Alors, il y a une dizaine de projets qui sont en cours. Au moment où l'étude a été publiée en février, il y en avait un qui était en activité et depuis, je crois qu'il y en a eu un deuxième. Donc, c'est des projets qui sont très récents, mais dont on voit beaucoup qui émergent en ce moment. Donc, si on doit retenir quelques éléments d'un point de vue plus général en se défocalisant un petit peu des thématiques particulières qu'on pourrait voir sur la slide suivante. Non. Ah, super, merci. Voilà, donc d'un point de vue plus général, qu'est-ce qu'on peut dire des structures de l'ESS, en quoi elles sont des atouts pour la transition écologique et énergétique? Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'elles accordent une grande place quand même aux activités de sensibilisation et de formation. Voilà, on dit souvent qu'il faut changer les habitudes, changer les pratiques, voire même parfois changer de culture. Eh bien, ça passe quand même par de la sensibilisation. Alors, je ne l'ai pas trop évoqué là au cours de la présentation, mais la plupart des structures dont j'ai parlé, que ce soit des AMAP, des recycleries, etc., même des activités de sensibilisation et les structures de l'ESS y accordent généralement une grande place. Il y a un type d'acteurs dont je n'ai pas parlé, hein, qui sont les associations d'éducation à l'environnement et au développement durable, dont c'est vraiment le cœur de métier.
On trouve quand même aussi chez ces structures une forte capacité d'innovation et de pérennisation, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de modèles qui ont été très innovants à un certain moment, type des AMAP, type des ateliers vélo, etc., qui ont bien marché, qui du coup ont essaimé sur le territoire, alors sont plus spécialement innovantes maintenant, mais sont néanmoins très efficaces et jouent un grand rôle dans la transition écologique et énergétique. Et puis, à côté de ça, on voit aussi une capacité d'innovation, une capacité à créer de nouveaux modèles avec des montages juridiques qui sont parfois assez originaux. Là, c'est ce qu'on voit beaucoup, notamment sur l'agriculture urbaine. On voit plein de nouvelles formes qui existent. Autre atout, c'est des implantations locales qui favorisent la mobilisation et qui favorisent aussi l'implication, j'ai envie de dire. C'est que c'est des structures qui souvent ne s'adressent pas qu'à des professionnels, accueillent du public et sont donc ouvertes sur le quartier. Donc, on rejoint un petit peu l'idée de la sensibilisation, mais là, c'est vraiment par la pratique, par l'ouverture de lieux, par son ouverture sur les quartiers, qu'on permet effectivement d'instiller progressivement les problématiques de la transition écologique énergétique et les solutions qui peuvent exister. Et finalement, autre grande spécificité qui, à mon avis, est assez déterminante, c'est que ce sont des structures qui conjuguent à la fois les ambitions sociales, mais également les ambitions écologiques. Donc, on a beaucoup de structures dans ce que je vous ai présenté qui sont des structures d'insertion sur une autre modalité, c'est les aspirations sociales et écologiques, elles se conjuguent aussi dans ce que peuvent faire les associations de lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, et on pourrait trouver de très nombreux exemples. Donc voilà, là c'était un survol un petit peu rapide. Évidemment, je vous invite à lire l'étude, on vous enverra le lien. Donc il y a plein de portraits, de structures, c'est beaucoup plus détaillé sur les modèles économiques. N'hésitez pas. Très rapidement, deux axes de travail qui sont issus qui ont prolongé un petit peu ce travail. C'est un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé avec l'ADEME sur trois thématiques. Là, si ça vous intéresse, on vous donnera le lien également. Et également, un axe qui est vraiment en construction en ce moment, on travaille avec l'ADEME sur la création d'une boîte à outils à destination des collectivités. L'idée, c'est de faire des fiches pratiques sur certaines structures, à quoi elles peuvent servir, comment les monter, etc. Et avec deux ou trois exemples de ces structures sur les territoires. Donc là, on essaye d'identifier des thématiques que nous, on ne connaît pas, qui sont souvent de taille un peu plus… les petites initiatives sont très intéressantes parce qu'elles permettent à des collectivités qui le veulent de se lancer là-dedans. Sauf que nous, on a parfois un petit peu de mal à les identifier, on connaît plutôt les acteurs qui ont déjà une bonne visibilité. On essaye de faire remonter ce type d'initiative. Donc, si ça vous intéresse, on a créé un formulaire. On vous transmettra le lien également. Merci à tous. Merci beaucoup, Steve, pour cette présentation. Alors, il y a quelques questions. Non, il n'y a pas vraiment de questions pour le moment, Anne-Laure. Il y a eu quelques petites questions sur des précisions de chiffres sur les jardins partagés. Et donc, il y a bien 47 jardins familiaux et 191 jardins partagés, mais pas plus de questions que ça. De questions. Donc, n'hésitez pas surtout à utiliser donc, ou le module questions-réponses ou le module converser pour éventuellement partager des témoignages ou des remarques. Cette première partie a permis vraiment de dresser un panorama très intéressant de la place des structures de l'ESS dans la transition. Peut-être juste en complément, il y a peut-être deux points qui me semblent importants à ajouter, qui peuvent illustrer l'importance des acteurs de l'ESS dans cette transition. C'est la gouvernance qui a été évoquée rapidement, le fait que ce soit bien une gouvernance partagée qui associe plusieurs acteurs du territoire. Donc, c'est, je pense, un point qui est important en faveur de la transition. Et puis, l'autre objectif, bien sûr, qui est assez évident, c'est le fait
que ces structures de l'économie sociale et solidaire, elles n'ont pas comme objectif de maximiser le profit à court terme. Et donc, elles intègrent un peu d'emblée cette vision à long terme qui est complètement indispensable pour permettre la transition écologique. Alors, dans cette deuxième partie de la matinée, l'idée, c'était de pouvoir, compte tenu de l'actualité, c'était aussi de pouvoir voir un peu les conséquences de la crise du Covid sur les structures de l'économie sociale et solidaire et la façon dont les acteurs publics, dont des collectivités locales, peuvent accompagner ces structures. Donc, à la fois sur l'accompagnement à court terme par rapport aux situations d'urgence et aussi, bien sûr, les accompagnements à moyen terme et voir comment on peut préparer justement une société en transition. Alors, un rapide mot d'introduction sur le contexte de la crise inédite qui a montré aussi bien enfin, la non-durabilité, la fragilité de la société qui a pu mettre en évidence les actions de solidarité au sein de la société. Et les acteurs de l'ESS ont joué un rôle particulier dans cette situation. Les conséquences de la crise ont été très diverses selon les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui étaient vraiment en première ligne par rapport à la situation, notamment tous les acteurs autour du soin, du médico-social, autour de l'alimentation qui a été évoquée, des circuits courts. Bien sûr, les associations Secours Populaire, Restaurants du Cœur, qui ont été très fortement mobilisées. Donc, on a eu un certain nombre d'acteurs de l'économie solidaire qui ont été très fortement mobilisés avec une très grande activité pendant la crise et encore aujourd'hui. Et puis, dans le même temps, on a donc de nombreuses organisations de l'ESS qui ont vu leur activité stoppée et avec de grandes incertitudes sur les conditions de leur reprise et sur leur situation financière. Le mouvement associatif a lancé une grande étude auprès des associations qui a mis en évidence que plus d'un quart des associations ont vu leur activité complètement stoppée et avec beaucoup d'interrogations sur les possibilités de reprise ensuite de l'activité. Donc, parmi les secteurs plus particulièrement touchés, la culture et le sport sont des secteurs particulièrement touchés, mais aussi le tourisme, toutes les activités autour du tourisme social et familial, et puis la restauration aussi. Autre conséquence pour les acteurs de l'ESS, le bénévolat, la mobilisation des bénévoles, puisque beaucoup de bénévoles ont arrêté leur engagement bénévole. Donc, il y a eu une série de dispositions qui ont été prises au niveau national et au niveau des collectivités locales pour faire face à l'urgence. Peut-être, juste avant, parce que je vois qu'il y a pas mal de conversés, je ne sais pas... Est-ce qu'il y a peut-être des points à voir par rapport à l'intervention précédente, avant que je présente rapidement les dispositions nationales pour faire face? Il y a une question sur les ateliers vélos. Et sur les 63 ateliers vélos en Île-de-France, quel modèle économique, quel statut juridique et quelle implication des collectivités? Mais peut-être que c'est une question à laquelle on répondra plus tard avec les intervenants. Cet après-midi, oui, ok. Oui. Et une question d'une personne de Clichy pour l'axe mobilité de l'ESS. Y a-t-il moyen d'accéder aux déchetteries pour récupérer des vélos usagés pour une association locale? Mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi à y avoir accès. Alors oui, il y a des possibilités parce que certains ateliers vélos le font. Donc ça, c'est possible. Après, est-ce que c'est automatique? J'aurais pas la réponse.
Par contre, les choses vont sûrement évoluer prochainement, a priori début 2021, parce que suite à la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire, il va y avoir une filière REP qui va être créée sur les articles de sport et notamment sur les vélos. Et donc, on peut espérer que l'accès sera prochainement facilité pour les structures de l'ESS qui souhaiteraient les valoriser, les réparer, récupérer des pièces détachées. Merci Steve. Et il y a une autre question, qu'est-ce que la cyclo-logistique? Et peut-être que c'est pareil, on y répondra cet après-midi. Oui, bon, on peut le dire en deux mots, c'est vrai que j'ai pas détaillé, j'ai un peu jargonné, excusez-moi. La cyclo-logistique, c'est tout simplement de la logistique qui s'effectue alors, soit à vélo, soit en triporteur, voilà, qui sont, c'est une activité particulièrement adaptée, on va dire, à un contexte urbain très dense où il peut y avoir des limites de circulation, de congestion. Ça permet de limiter aussi le bruit, ça permet de limiter la pollution de l'air, alors que voilà, dans l'agglomération, dans Paris et ses proches abords, les mouvements logistiques sont très importants et beaucoup de camionnettes qui ne sont pas forcément remplies. Donc, il y a certaines structures de l'ESS, hein, on va en avoir un exemple tout à l'heure, qui se sont inscrites dans ce créneau pour essayer de remplacer ce qu'on appelle des véhicules utilitaires légers par plutôt de la cyclo-logistique. Merci beaucoup. Alors, si tu veux continuer. Merci. Merci. Donc, on aura effectivement une intervention juste en fin de matinée de la Cour Circlette. Alors, sur les dispositions gouvernementales qui ont été mises en place pour soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on peut citer les principaux éléments. C'est d'abord une cellule de liaison COVID-19, ESS, Covid-19 qui s'est réuni chaque semaine, animé par le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, donc qui est au ministère de la transition écologique et solidaire. Donc, c'est le liaison qui s'est réuni chaque semaine avec les représentants des réseaux nationaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc notamment ESS France et le CNCRES, le mouvement associatif et les différents réseaux nationaux de l'économie solidaire, ainsi qu'avec la Banque des territoires France Active, avec l'objectif de à la fois de faire remonter les situations le plus rapidement possible, les situations rencontrées par les acteurs de l'économie solidaire et puis de pouvoir retrouver des mesures adaptées. Il y a par ailleurs une note de synthèse quotidienne qui a été diffusée pour reprendre toutes les mesures économiques, sociales et sanitaires qui peuvent concerner les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, cette note est toujours diffusée très régulièrement et elle est accessible sur le site, par exemple, de la CRES ou sur le site du RTES ou sur un certain nombre de sites, et donc avec l'ensemble des dispositions applicables aux entreprises, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a eu un gros travail qui a été fait également au niveau national sur l'accessibilité des acteurs de l'économie sociale et solidaire aux dispositifs communs qui ont été mis en place pour soutenir l'activité économique. C'est notamment le cas du Fonds de solidarité pour les entreprises qui ont une diminution de leur chiffre d'affaires, donc avec une difficulté au départ sur l'accessibilité pour les associations à ce fonds de solidarité. Donc, le décret est paru il y a 15 jours. Les associations sont bien, les associations employeuses ou soumises aux impôts commerciaux sont bien aujourd'hui éligibles à ce fonds de solidarité. Accessibilité aussi au dispositif de chômage partiel, de prise en charge du chômage partiel. Accessibilité aux garanties de la Banque publique d'investissement. Voilà, et donc là, c'était un travail important parce que les spécificités, notamment des associations, sont encore aujourd'hui difficilement prises en compte dans le dispositif de droit commun. Alors, une mesure spécifique a été mise en place, c'est donc le dispositif de secours pour les toutes petites entreprises, les très petites entreprises, associations, donc pour toutes les structures de entre 1 et 3 salariés, avec donc qui représente quand même la moitié des associations employeuses,
Et donc, avec une aide forfaitaire de 5 000 euros et un accompagnement via le dispositif local d'accompagnement. Donc, l'ensemble de ces dispositifs et mesures nationales et il y a un travail de repérage hein, qui a été réalisé par le RTES, par exemple, qui est disponible sur la page du RTES. On a également, au sein du réseau, souhaité mettre en évidence les actions des collectivités locales, parce que les collectivités locales se sont aussi beaucoup mobilisées pour accompagner les acteurs économiques en général et en particulier les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ce qu'on va voir avec les témoignages de tout à l'heure de GPSEA et d'Est Ensemble. De façon un peu générale, les collectivités locales, régions, départements, villes, intercommunalités se sont mobilisées alors pour un certain nombre en participant au Fonds de solidarité nationale, donc en cofinançant ce Fonds de solidarité. Ça a été le cas notamment des régions et des intercommunalités qui ont contribué au Fonds de solidarité. Plusieurs collectivités ont mis en place des fonds de soutien exceptionnels. Par exemple, des départements ont pu mettre en place des fonds de soutien exceptionnels à destination notamment des associations fortement impactées par la crise. La plupart des collectivités, comme l'État, ont décidé le maintien des subventions, même en cas de non-réalisation possible d'événements ou d'actions. La suspension des loyers, quand ça pouvait relever de la collectivité locale. Et puis, il y a eu également, côté appui au circuit court, plusieurs actions qui ont été mises en place par les collectivités, avec par exemple des plateformes de mise en relation entre producteurs et consommateurs qui ont été mises en place à une échelle régionale ou parfois à des échelles beaucoup plus locales. Et puis, il y a également donc, le levier de la commande publique qui a été mobilisé avec l'absence de pénalités pour les travaux ou prestations qui n'ont pas pu être réalisés par les acteurs économiques. Donc voilà, donc très, très rapidement, une rapide présentation de ce qui a pu être mis en place au niveau national et puis dans les différents territoires en soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'objectif du temps d'échange, c'est de voir donc, non seulement ce qui a pu être mis en place pour sécuriser la situation aujourd'hui, mais aussi pour préparer l'avenir, avec donc, notamment la place des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les différents plans de relance, donc notamment le plan de relance au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, mais aussi, au-delà de la place des acteurs de l'ESS, et aussi plus largement, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut accompagner les changements un peu des fondamentaux de l'économie et faire en sorte que l'économie demain soit plus solidaire, plus sobre et engagé dans une véritable transition. Donc, pour pouvoir voir donc à la fois l'impact au niveau local et puis un peu la façon dont on peut préparer l'avenir, donc on a deux binômes, on a sollicité deux binômes pour intervenir. Alors, on a donc sollicité donc Mickaël Vartuaroglou, que voit l'instant donc de la GPSA, donc Grand Paris Sud-Est Avenir, c'est bien ça, et Myriam Goujan de la Cour Cyclette. Myriam est bien là aussi. Et puis donc on a également sollicité de la Séverine Bellec de la Collecterie et Est Ensemble. Alors est-ce que c'est finalement Émilie ou Jean-Philippe Rouchon, Émilie Combilot ou Jean-Philippe Rouchon qui va intervenir? C'est Jean-Philippe? Oui, c'est moi, c'est Elodie. C'est Elodie, ok, bon. Ok, parfait. Oui, Jean-Philippe, il n'y avait pas la vidéo. Ok, parfait. Exactement, désolée. Alors, du coup, je ne pense pas que vous me voyez envie de la couper parce que
parce que mon ordinateur, enfin mon téléphone n'est pas très très performant, donc on me voit, voilà, ça coupe quand je mets tout en même temps. Ok, pas de problème. Bah, de toute façon, on vous propose de commencer par la coursiclette et GPSE. Léo, oui. Du coup, peut-être commencer peut-être sur toi, Myriam, au niveau de la coursiclette, juste pour présenter rapidement la coursiclette, et puis tu me corrigeras, mais pour que tu puisses directement parler de comment vous avez adapté votre activité à la période un petit peu particulière qu'on vient de vivre. Donc, la coursiclette, c'est un tiers-lieu. Qui fait plein de choses, qui est situé à Alfortville, qui est à la fois une boutique, un atelier vélo, qui fait plein de choses autour du vélo, mais aussi de la réparation, mais aussi de la logistique et de l'alimentation en circuit court. Peut-être que tu peux un peu présenter les activités de la coursiclette. Comment vous avez du coup adapté vos activités à la période de confinement et à la situation particulière qu'on a pu vivre récemment, et surtout aussi comment vous envisagez la suite, l'avenir, est-ce que ça a impacté le projet de la structure si oui, comment? Voilà. Myriam, c'est à toi. Oui. Alors, j'ai coupé le micro. Merci de m'avoir pour ce témoignage. Donc, écoute, oui, tu as bien résumé. On fait plein de choses. Et pour tout de suite rebondir sur le Covid, c'est vrai qu'avant cette crise, on pouvait... Enfin, ça pouvait être à certains moments compliqué pour nous d'expliquer qu'on faisait plein de choses. Ça pouvait donner un peu une idée de dispersion. Et en réalité, depuis la crise du Covid, je pense qu'il n'y a plus personne qui dit « mais attendez, vous vous dispersez ». Parce qu'en fait, si on reprend en quelques mots notre projet, il y a un projet philosophique, c'est un grand mot, mais il y a une réalité à ce projet qui est la défense du climat, le problème de la crise sociale et la crise climatique, la manière d'y répondre, c'est vraiment de focaliser sur la lutte contre le gaspillage. Et la lutte contre le gaspillage, ça veut dire reprendre conscience de ce qui se passe autour de nous, quels sont nos moyens de subsistance. De bien comprendre d'où viennent les choses d'être beaucoup plus rattaché à nos moyens de subsistance et de faire en sorte de les préserver. Moi, j'aime bien donner l'image, si vous avez par exemple un paysan au fin fond de sa campagne, ça va pas du tout avoir idée de par exemple balancer des mégots sur son champ, parce qu'il comprend tout de suite l'effet néfaste que ça va pouvoir avoir. Alors que quand on est en région parisienne, jeter sa cigarette sur le trottoir, finalement on comprend pas bien ce qui se passe, et du coup ça n'a en réalité aucune importance. Donc nous, notre solution, les solutions qu'on veut faire, enfin qu'on propose, qu'on veut expérimenter, c'est de dire essayons de nous raccorder à notre territoire, essayons de voir ce qui est essentiel et essayons d'être en auto-organisation, en autosuffisance pour finalement montrer que la transition écologique, elle peut finalement se faire à partir d'un projet citoyen, à partir de gens qui n'ont pas plus d'expertise que ça, mais qui tout simplement se disent « bon, je vais essayer de faire les choses en ayant conscience que finalement, je n'ai pas besoin de tout cet environnement mondial finalement qui me pose des tas de problèmes à la fois pour moi, parce que je ne suis pas heureux, je suis coupée des autres, et à la fois effectivement pour mon environnement parce qu'il est en train de se dégrader, et puis il y a la crise climatique et ceci cela. Et donc en fait notre réponse, c'est un peu ce que tu disais, on fait plein de choses, mais en fait on fait
des choses très simples. On s'est dit, finalement, si on arrive à résoudre le problème du transport, le problème de l'alimentation et le problème de l'acheminement, donc le transport et la logistique, si déjà on arrive à porter des solutions locales à ça, déjà on va faire un grand pas dans la transition écologique. Et c'est vrai que la crise du Covid, tout le monde a bien compris ça. C'est que qu'est-ce qui s'est passé à J+1 de cette compréhension qu'il fallait se confiner, je continue de m'alimenter sans aller faire des queues impossibles dans les supermarchés. Comment je continue de me transporter près de chez moi, je vais arriver à continuer de vivre tout simplement. Bien sûr, à côté du problème immédiat qui est le problème de santé. Les deux sujets, c'est comment je m'alimente et comment j'acquiers les choses qui me sont essentielles, c'est quoi mon essentiel, et aussi comment je peux me déplacer pour aller chercher ça et comment les gens vont se déplacer pour me l'apporter. Et donc, pour venir à ce qu'on fait, nous on fait… équipementier, un vendeur simplement de vélos et d'équipe. Notre ADN, c'est avant tout des réparateurs, vendre des vélos qui vont. On fait tout à l'heure, il y a une question sur la cyclo-logistique, et donc on fait de la logistique urbaine à vélo, c'est-à-dire qu'on transporte des marchandises à vélo jusqu'à 200 kilos. Et aussi, on fait de l'alimentation en circuit court. Et ça nous vient du fait que quand on vient plutôt effectivement des transports du vélo, mais on s'est dit, on va faire un petit café associatif dans notre local. Et puis finalement, on a eu des adhérents qui s'intéressaient à l'agriculture paysanne et on a commencé donc à proposer des repas en circuit court et donc avec du transport à vélo de ces repas. Voilà. Donc ça, c'est le contexte avant la crise. Avec la crise, nous, l'enjeu, c'était le défi, c'était de continuer d'exister parce qu'on est une équipe avec plusieurs personnes qui viennent d'horizons variés et qu'on sait très bien, et d'ailleurs on a des collègues qui s'arrivent malheureusement, c'est que si on arrêtait de faire quelque chose, si on arrêtait de se voir, si on arrêtait d'opérer, on avait deux problèmes. D'abord, on était quand même un petit peu en contradiction avec. Donc, la crise arrive, il faut quand même démontrer un petit peu qu'on a la capacité effectivement de proposer des solutions là-dedans. Donc on a eu ce premier problème. Et le deuxième problème, on sait très bien que des gens qui ne se voient plus ou qui se voient certes par Zoom mais qui ne sont plus dans l'action, qui n'ont plus de projet immédiat, qui ne sont plus dans l'action ensemble, c'est des gens finalement qui vont plus, la machine ne se remettra pas en route aussi facilement que ça. Donc c'était urgent de continuer d'exister. Et donc, il nous est arrivé assez rapidement des choses très concrètes. C'est que nous, on a un parc de vélos en location. Donc, on a fait de la solidarité en se disant, on va prêter ces vélos au personnel soignant qui vont être bien contents. Certains vont être bien contents finalement de pouvoir s'aérer un petit peu pour rentrer chez eux le soir à vélo, surtout que il faisait beau et que il y avait personne sur les routes. Donc on a des soignants qui ont été très très heureux de venir pouvoir emprunter des vélos chez nous. Et ensuite, on a continué de faire un petit peu de réparation au chômage technique. Et aussi, on a eu tout de suite nos,
nos agriculteurs, notre agriculteur maraîcher de Picardie, qui s'est retrouvé en difficulté pour avoir ses accès à ses marchés et à la distribution par la coopérative. La coopérative était en crise. Et donc, il est venu nous voir en disant, moi, je fais des paniers. Nous, on faisait des marchés en circuit court. Donc, les gens, il fallait que les paniers se fassent sur place. Donc, ça veut dire qu'il y avait des rassemblements de personnes. Donc, lui, il a trouvé cette solution. Il dit, moi, je me débrouille, je fais mes paniers avec les villageois en Picardie. Par contre, il faudrait pouvoir les distribuer. Et donc, rapidement, on a mis en place une boutique en ligne et on a mis en place de la livraison de paniers et du dispatch de paniers bio de saison. Et donc on a eu plein de familles, donc on est situé à Alfortville, on a plein de familles qui ont tout de suite adhéré à ce principe, parce que de recevoir un panier de 7-8 kilos de légumes quasi à domicile ou à côté de chez soi dans la ville à quelques centaines de mètres, c'est autant de temps pas passé au supermarché, puis aussi d'avoir des légumes frais et d'avoir des produits qui remettent un petit peu de baume au cœur. Voilà, donc ces activités, on va dire économiquement, elles ne nous ont pas rapporté, mais elles nous ont permis de comprendre ensemble qu'est-ce qui était en train de se passer et finalement commencer à se préparer pour des choses de demain. Je faisais beaucoup de prestations de traiteurs avec des partenaires comme les universités, des structures de l'économie sociale et solidaire. On faisait du traiteur pour des groupes qui avaient envie justement d'avoir de l'alimentation en circuit court avec une particularité, c'est qu'on est zéro déchet. Et du coup, on a bien sûr arrêté ça puisqu'on pouvait plus, il n'y avait plus de rassemblements, de colloques et d'événements, etc. Et du coup, on s'est dit, c'est quoi demain ? Et on a commencé à réfléchir à demain, peut-être que les gens ils vont avoir envie, plutôt que de se retrouver dans des restaurants confinés ou dans des endroits confinés, c'est peut-être plus finalement se retrouver sur l'espace public, dans des environnements un peu allégés, avec un urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est-à-dire de se retrouver par exemple dans la rue dans la journée, le dimanche, finalement les voitures elles ont peut-être, on peut peut-être les bloquer et puis on fait des pique-niques, on peut peut-être faire des balades à vélo qui amènent les gens en petits groupes dans la nature, et puis finalement ils vont faire un pique-nique et des choses comme ça. Et donc on a commencé à réfléchir à faire donc justement des prestations de vente à emporter ou de vente qu'on amène quelque part à travers donc notre dispositif de logistique urbaine à vélo. Et on a commencé, et c'est ce sur quoi on travaille actuellement, notamment pour l'AMI du CRES, donc l'appel à projet dont a parlé Steve tout à l'heure, on a réorienté un peu l'appel à projet pour insister sur le fait que finalement, grâce à une logistique durable, et à une réflexion de qu'est-ce qu'on doit amener d'un point A à un point B, comment est-ce qu'on peut finalement amener une offre alimentaire de manière sobre, c'est-à-dire on amène de quoi manger sans qu'il y ait d'excès de ce qu'on amène, tant du point de vue de la nourriture que du point de vue du matériel, par exemple avec une vaisselle légère et puis une vaisselle qui ensuite on va pas, enfin qui reste durable, c'est-à-dire que c'est pas des déchets c'est pas une vaisselle qui va se transformer en déchets, c'est une vaisselle qu'on va pouvoir réutiliser, donc avec une réflexion sur les fluides et sur comment le transport à vélo peut permettre de faire une logistique légère, durable,
et contribuer à des réflexions sur l'économie circulaire. Voilà, donc je dirais que la crise du Covid a conforté notre projet, qui est de travailler sur nos moyens de subsistance et d'avoir une autosuffisance et une indépendance par rapport à l'approvisionnement de nos moyens de subsistance. Et le deuxième volet, c'est que ça nous a permis de réfléchir à se dire comment on va plus loin dans les projets qu'on fait pour que, effectivement, à l'aune de cette crise, les réponses soient totalement adaptées. Voilà, donc c'est une courbe d'expérience, cette crise du Covid. Voilà, et pour terminer, bah, quand même le point positif pour nous, c'est qu'on est dans le vélo et que c'est vrai que la sortie du confinement a été très, très intense, puisque bah, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de faire d'être mises en place au niveau de la région sur le vélo, à commencer par des pistes cyclables vraiment dignes de ce nom, et aussi bah, les accompagnements, le coup de pouce vélo pour qu'il permet de réparer son vélo avec une subvention, et puis l'engouement pour le vélo dans cette période, bah, pour nous, ce sont des points très positifs et en termes économiques également, donc des perspectives qui se, disons, qui s'ouvrent à nous. Et voilà, et donc j'en ai terminé. Je passe peut-être la parole à Michaël, puisque bah, c'est des sujets dont on a discuté ensemble. Je tiens d'ailleurs à remercier le GPSEA qui nous a aidés à être en lien justement avec les hôpitaux. Tant pour justement permettre aux soignants d'être équipés avec des vélos que pour mettre en place des cagnottes avec nos adhérents qui, quand ils achetaient donc les paniers de légumes sur les boutiques en ligne, ont pu également abonder des cagnottes qui nous ont permis d'aller amener des paniers de fruits dans les hôpitaux, donc les hôpitaux environnement du territoire que sont Mondor et l'hôpital intercommunal de Créteil. Merci beaucoup Myriam. Effectivement, Michaël, pour présenter à la fois par rapport à ce projet un peu le rôle de la collectivité locale, comment vous avez accompagné la structure et puis peut-être un peu plus largement sur le territoire, la situation des acteurs de l'ESS et donc les actions de la collectivité. Bonjour, donc Michaël, chargé de projet économie sociale et solidaire pour Grand Paris Sud-Est Avenir. Je vais peut-être partir d'abord du global et revenir sur comment on a travaillé avec la course cyclette par la suite. Donc d'abord, on a mis en place, comme bon, bah, beaucoup de territoires, le partage d'infos pour vraiment retransmettre tous les dispositifs qui ont été mis en place, région, État, et toutes les aides possibles qui étaient mobilisables par les structures de l'ESS, dans l'idée de soit de récupérer les besoins des structures et de voir comment nous, on pouvait y répondre en direct. Si je prends un exemple, on a eu un retour de Emmaüs Friperie Solidaire qui pouvait redémarrer son activité, qui avait juste besoin d'une petite aide au début au niveau des masques et du gel hydroalcoolique, pour pouvoir justement fabriquer des masques pour la population. Donc, nous, c'était le petit. Ils avaient juste besoin d'une petite aide pour pouvoir commencer. Donc, voilà, pouvoir donc, récupérer les besoins, créer du réseau et de mettre pouvoir permettre à certaines structures de travailler ensemble pour pouvoir développer des activités qui pourraient être mises en place pendant le confinement et pendant le déconfinement, si c'est, évidemment c'était possible dans le cadre légal global. Et également de communiquer sur les initiatives qui étaient mises en place par les structures de l'ESS. Alors moi, de mon côté, structure de l'ESS, mais GPSEA sur l'ensemble des structures qui ont été mises en place pendant le confinement, bah, notamment ce dont a parlé Myriam, donc l'aide de certaines structures de l'ESS et du monde classique pour les hôpitaux sur notre territoire. Donc, c'est des mises en avant sur les réseaux, sur notre site, essayer de les accompagner après, selon les besoins, s'il y avait des choses à mettre en place. Après, GPSEA, plus globalement, donc a mis en place, suspendu l'ensemble des loyers, et il y a une réflexion en cours pour l'instant pour voir si la suspension conduit à une annulation, ou enfin, en tout cas une annulation selon les cas, parce qu'il y a des structures qui n'ont pas forcément besoin si l'activité a continué, mais on essaie de mettre en place une réponse adéquate aux,
aux problèmes qu'auraient eu les structures par rapport à leur loyer. Au niveau des subventions, elles ont toutes été versées en intégralité dès le début du confinement pour permettre aux structures d'avoir une trésorerie qui leur permet de survivre un peu à la crise, sans restriction par rapport à une éventuelle mise en place en nombre des activités par la suite sur l'année. Il y aura toujours évidemment un suivi pour voir ce qui s'est passé et ce qu'on peut faire après, mais voilà, l'idée c'était de maintenir en vie le plus de structures possible. De ces dispositifs-là, il y a eu la mise en place d'un comité de suivi sur l'économie sociale et solidaire avec les acteurs départementaux. Donc, il y avait le département, évidemment, les territoires, le DLA, France Active, le réseau RIAE, tous les acteurs qui pouvaient nous aider à travailler. Et donc, on a essayé d'échanger un peu sur les situations des structures qu'on accompagnait pour pouvoir avoir une vision un peu plus globale et de voir où on pouvait mettre les priorités pour aider les structures qu'on avait le plus besoin pendant le confinement. Par la suite, côté GPSEA, on a mis en place un plan d'urgence sociale, donc une enveloppe de 300 000 euros qui s'est répartie sur plusieurs aides. Donc là, je parle de mon service, du coup, la cohésion territoriale, plus en particulier. Après, sur l'ensemble du GPSEA, il y a peut-être eu d'autres aides, mais je n'ai pas forcément pu récupérer toutes les infos. Donc, on a abondé le fonds de solidarité habitat, le FSH, de façon plus importante que d'habitude, donc 75 000 euros de plus, pour aider le département à aider les personnes qui avaient des difficultés avec les impayés de loyer et de charges. On a mis en place un soutien renforcé pour les associations déjà subventionnées par le GPSEA. Sur des thématiques particulières, donc là 100 000 euros, donc toutes les assos qui travaillent sur l'aide aux victimes, l'accès aux droits, santé, médiation familiale et notamment, et ce qui va nous occuper le plus en ce moment, l'insertion professionnelle. Pour l'ESS, on a doublé la dotation, enfin l'appel à projet, on est passé de 25 000 à 50 000 euros et on l'a recentré du coup sur les structures qui soit ont mis en place des activités spécifiques à la résolution de la crise sanitaire, soit qu'ils vont mettre en place des actions qui seront tournées vers tout ce qui est relocalisation ou circuit court. Donc, ça sera vraiment les priorités qui seront définies sur l'appel à projet qui devrait sortir normalement cette semaine. Et on a ajouté du coup un fonds d'aide estivale. Donc là, ça sera un fonds de 100 000 euros pour participer aux activités du coup pendant l'été pour essayer de travailler un peu sur les loisirs et activités qui pourraient être mises en place sur notre territoire pendant l'été. Donc là, voilà, l'idée, ça serait de passer par donc financer des associations, mettre en place des chantiers d'insertion, mettre en place des micro-animations en pied d'immeuble, vraiment aller travailler au plus près notamment des QPV, mais aussi des quartiers qu'on aurait identifiés, pour permettre que les personnes habitant sur GPSA puissent avoir quelques loisirs pendant la période estivale. On réfléchit aussi à l'après. Donc là, quelques points que je peux mettre en avant qui sont plus en lien avec la transition écologique. Donc on est en train de travailler sur le PLD. Donc on met en place, notamment avec la course cyclette, surtout la course cyclette qui les met en place, mais on va essayer de les accompagner sur les ateliers vélo et ateliers de réparation. Sur l'ensemble du territoire. Là-dessus, on travaille beaucoup aussi avec le service de développement durable pour justement allier un peu toutes les facettes de ces ateliers et pouvoir aussi amener le côté pédagogique et voilà, vraiment travailler ces ateliers à 100%. On travaille sur la commande publique, donc ça, c'est en cours, je n'ai pas plus d'infos que ça, mais vraiment voir comment recentrer un peu la dynamique et voir comment on peut accompagner des structures en leur vraiment commandant des services qui pourraient être prêts utilisés par les habitants. Et là, depuis le début du confinement, côté ESS, on s'est un peu plus concentré sur les projets en rue et voir comment on pouvait influer sur les cahiers des charges des cabinets de conseil qui sont recrutés pour mettre en place les stratégies et mettre un peu plus d'ESS dans les politiques qui sont mises en place sur le territoire. Voilà. Ok, mais merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation. Peut-être, j'en profite juste parce qu'il y avait une question sur l'inscription des acteurs de l'ESS dans les projets de rénovation urbaine type en rue. Donc, une question de Ben Zenati.
Si vous pouvez, je vous rappelle simplement de préciser votre structure, votre nom et vos structures quand vous posez la question, c'est plus facile pour répondre. Donc, par rapport à, sur votre territoire, à la place des acteurs de l'OSS, dans les projets de rénovation urbaine, qu'est-ce qui existe déjà? Et puis peut-être après, côté. Donc Khalifa Benzenati, qui est donc chargé de projet Jeunesse commune à Romainville. Merci. Merci. Michael, quelle est aujourd'hui la place des acteurs de l'ESS et qu'est-ce que vous avez comme objectif? Alors, déjà, c'est très compliqué d'échanger avec les cabinets de conseil qui souvent ont une connaissance très, très limitée de l'ESS et qui ne placent même pas l'ESS dans les possibles acteurs de développement économique. Donc déjà, c'est travailler dans les projets rues, c'est vraiment de replacer l'ESS et de réexpliquer ce que c'est et à quoi ça sert et comment travailler avec les structures de l'ESS. C'est de mettre en avant tous les profils qui existent et puis selon le territoire, essayer d'orienter sur des thématiques particulières. Typiquement, sur le Bois-l'Abbé, côté ESS, on a demandé à notre cabinet de conseil de travailler plutôt sur le côté mobilité, parce que il y avait une logique de garage en rue directement où les gens faisaient leur réparation sauvage. Donc, essayer de travailler sur des choses comme ça. En fait, on essaie de prendre des thématiques remontées par les villes qui nous paraissent pouvoir être des problématiques des habitants qui peuvent être répondues, où l'ESS peut être une réponse. Et après, de le faire travailler avec le cabinet de conseil pour voir comment eux, ils peuvent l'intégrer dans la réponse globale. Et le projet en rue. Globalement, c'est quand même un peu poussif pour l'instant, mais ça commence. Après, je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'infos parce que j'ai commencé à participer il y a 3 mois. C'est aussi juste participer aux réunions et de pouvoir donner le côté ESS à chaque fois qu'il y a une réflexion sur le développement économique pour justement pousser pour que l'ESS soit toujours prise en compte comme une des solutions au développement économique, sans oublier aussi tout le monde associatif qui ne serait pas sur cette thématique-là, mais qui permet quand même une vie de quartier et un développement possible sur ces projets. Ok, merci. Est-ce que pour la CRES, Léo ou Steve, sur cette place des acteurs de l'ESS dans les travaux en rue, vous avez des témoignages ou non? Il y a un élément, mais je pense que vous connaissez tous, c'est les clauses sociales inscrites qui doivent être inscrites dans les travaux en rue et donc qui peuvent concerner les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que côté CRES, vous avez d'autres exemples en région? Ouais. Alors après, c'est pas un axe qu'on a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de questions autour, et notamment autour des bailleurs sociaux, dont certains sont des acteurs ESS. Ce qu'on peut dire quand même comme exemple de structure et qui est intéressant sur les projets de rénovation urbaine et sur les projets en rue, c'est une association comme par exemple les Compagnons Bâtisseurs qui sont sur de l'auto-réhabilitation accompagnée. C'est des ateliers bricolage de quartier et qui essayent de créer une dynamique collective. Alors, ça peut être dans des logements sociaux ou dans des copropriétés qui sont extrêmement, extrêmement dégradées. Et où, l'idée, c'est quand même l'entretien du logement, c'est ça la priorité. Mais il y a également des aspects plus directement environnementaux avec des activités de sensibilisation et des activités de réparation ciblées autour des circuits d'eau pour faire des chasses aux fuites ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un exemple d'initiative qui fonctionne plutôt bien. Je crois qu'il y a une dizaine d'ateliers de quartier portés par les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France. Il y a sûrement bien d'autres initiatives, mais qu'on n'a pas encore repérées. Ok, merci. Il y a une intervention de Eric Coquelin sur la difficulté de travailler avec les cabinets consultants. Et avec une proposition sur les diagnostics partagés, la possibilité de mobiliser les acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple, pour
la réalisation de diagnostics partagés avec les habitants. Voilà, donc c'est par exemple qui s'est fait à Nantes Métropole, où le Nantes Métropole a travaillé avec des acteurs de l'ESS rassemblés dans les Écosolis pour justement travailler sur le diagnostic avant les travaux de rénovation urbaine. Donc il y a aussi, et plus largement, il y a quelques mois, il y a une publication du RTES Politique de la ville et économie sociale et solidaire qui répertorie un peu l'ensemble des contributions possibles des acteurs de l'ESS à la politique de la ville et donc en particulier aux travaux de rénovation urbaine. Il y a une question de David Tancret de Clichy sur la façon dont vous avez sensibilisé les cabinets de consultants. Est-ce qu'il y a des outils de communication un peu spécifiques qui ont été créés? Comment s'est passée la sensibilisation? C'est des échanges téléphoniques ou visio avec les consultants directement, en direct, hors réunion, en fait, avant les réunions pour les préparer, pour que je leur explique notre stratégie ESS, comment on travaillerait avec eux après sur l'ESS, mais j'ai pas d'outil particulier. Ok. Merci beaucoup. Remarque sur les centres sociaux qui peuvent être des partenaires, hein, des acteurs qui mettent en œuvre des clauses sociales, comme les plans locaux d'insertion par l'activité économique, et notamment les centres sociaux peuvent proposer des permanences dans leurs locaux. Donc, c'est une intervention de Pierre Spano. Ok, merci beaucoup. Eh bien, on peut passer à Est Ensemble avec donc les interventions de Séverine Belec de la collecterie et de Élodie Coumbillot d'Est Ensemble. Alors, une situation un peu différente pour la collecterie. Du coup, tu commences, Séverine ? Activé. Ouais, je peux commencer. La collecterie, on est une ressourcerie sur Montreuil. On a un profil un peu particulier par rapport à d'autres ressourceries que vous pouvez peut-être connaître ou côtoyer. C'est qu'à l'origine du projet, il y a des artisans. Donc, on a un atelier de menuiserie, tapisserie, couture et on fait beaucoup d'upcycling de mobilier. Et du coup, parallèlement à toutes les actions classiques de ressourcerie, on fait quand même pas mal de chantiers de rénovation pour les collectivités ou d'autres associations ou des entreprises, des rénovations de mobilier où on prend le mobilier qu'ils ont, on le rénove ou alors ils se meublent avec du mobilier qu'on a chez nous. Voilà. Vous pouvez voir tout ça sur notre site internet. On est un chantier d'insertion, donc on est une trentaine de salariés, 14 ETP en insertion et on est 11 permanents à la collecterie. Nous, on a utilisé le chômage partiel pour tous les salariés en insertion et pour l'équipe de permanents, 6 sont restés en chômage partiel à 90% et 10% en télétravail. Donc on a travaillé sur ces 10%, on a travaillé sur la reprise, capter les infos à droite à gauche. On était quand même un peu inondé d'infos, de mails de partout, donc il fallait un peu voir qui on allait choisir de suivre pour les infos, parce qu'on ne pouvait pas lire toutes les newsletters qui nous arrivaient, toutes les infos de différents, que ce soit d'Est Ensemble, de la CRES, de la chambre de l'ESS, de la Direct. Enfin, c'était, je pense que trop d'infos tue l'info pour un moment donné. Donc, on s'est tapé tout, on s'est dit, bon, allez, on suit les infos de deux structures et puis on arrête de tout lire, sinon on va s'y perdre.
Donc, on a mis en place pendant ce confinement sur notre temps de travail tout le protocole de déconfinement, du coup, adapté au dossier unique de prévention des risques. On a nos bénévoles, on a mobilisé les bénévoles pour la fabrication de masques. On a donné énormément, on a donné plus d'une demi-tonne de tissus, objets à diverses associations, Ville de Montreuil, Foyer Malien, donc à peu près une demi-tonne de dons à différents acteurs. La reprise se fait, enfin la reprise d'activité, on avait un peu peur que les gens aient peur d'acheter du réemploi et ce n'est pas du tout le cas. On constate une hausse de gens en boutique, une hausse des ventes, une hausse des apports, bien sûr, puisque tout le monde a trié pendant le confinement. Donc, on est submergé. On a battu notre record samedi dernier puisqu'on a fait 4 tonnes en une journée. Donc, après, il faut traiter tous ces apports avec une équipe qui est réduite puisqu'on a quand même pas mal de salariés pour cause de garde d'enfants. Enfin, l'école n'ayant pas repris, ils ne peuvent pas reprendre le boulot et d'autres pour des problèmes de santé diverses qui ne peuvent pas reprendre tout de suite. Donc, c'est avec une équipe assez réduite qu'on a repris le travail. On est, je ne sais pas, ça doit faire 15 jours, 3 semaines qu'on a repris, 15 jours. On est déjà sur les rotules parce que moi, je ne suis plus du tout au bureau. J'ai une liste de mails qui m'attend et de dossiers. Je trie des jouets et du textile. Donc, c'est un peu chaud cette reprise, mais on est plutôt content du public qui est ravi, qui est hyper compréhensif. Donc, les clients, que ce soit pour les boutiques ou les apports, sont obligés d'avoir un masque et un petit coup de gel hydroalcoolique. On a la chance d'avoir des locaux qui font qu'on peut vraiment séparer les apports du local boutique et vie de la collecterie, ce qui permet d'avoir le temps de décontamination pour les différentes matières. Ça doit être assez chaud pour les ressourceries parisiennes qui n'ont pas cet avantage-là. Mais voilà, la reprise se passe bien. Pour ce qui est des actions de sensibilisation, nous, tout est à l'arrêt. Parce que bien sûr, on ne peut pas aller dans les collèges, on ne peut pas aller dans les maisons de retraite, on ne peut pas aller dans les entreprises, on ne peut pas aller dans les lycées, ni dans les ALSH. Donc, ce service-là est à 95% arrêté. On ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Et ce service-là est principalement source de subventions. Donc, concernant toutes les subventions, on a fait des pré-bilans des actions qu'on avait déjà réalisées. On s'attendait à. Donc, on a eu des versements, des pré-versements et des prolongations des temps de subvention pour réaliser les actions. On est plutôt déçus parce que les actions annulées pendant le Covid, on va quand même devoir les réaliser. Donc, on va se retrouver, quand on va reprendre l'activité en septembre, à avoir toutes les actions à réaliser pour les subventions qui démarrent en septembre et toutes celles à finir. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Je trouve que il y a là-dessus un manque de compréhension et de réalité de terrain qui est un peu dur. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup. Voilà, peut-être qu'on peut, alors, en attendant les questions, passer la parole à Elodie à Elodie Combilo pour Est Ensemble. Elodie, sur la situation. Oui, alors j'essayais les liens plus spécifiques avec la collecterie. Oui, alors déjà en introduction, je vais juste dire que j'essaye de mettre la caméra. Vous me dites si vous ne m'entendez pas parce que mon téléphone a bug généralement quand il y a tout en même temps. Donc, je vais devoir couper et faire que à l'oral. Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est parfait. Nous,
Pour l'instant, ok, très bien. Bon, alors, effectivement, comme disait Séverine, avec qui que je connais très bien et collecté à cet ensemble, ça fait très longtemps qu'il y a un partenariat qui se met en place, donc les choses se disent, de ce qu'elle dit, c'est tout à fait vrai. Je vais vous dire un peu ce qu'on a fait pendant la crise et les mesures qu'on a pu prendre après ce moment-là. Effectivement, comme disait Séverine, ils étaient niés d'informations, mais de manière générale aussi, hein, toutes les collectivités. On a lancé nos newsletters avec, pour notre part, nous, on a des collègues qui s'occupent du conseil RH habituellement, le reste de l'année. On avait un appui RH et puis un numéro unique où les entreprises et les assos pouvaient nous avoir des conseils sur le prêt garanti par l'État ou tel, pour pouvoir les orienter vers tel ou tel dispositif d'aide pour répondre à leurs besoins. Donc, c'est des choses qu'on a fait dès le démarrage. Oh, on ne vous entend plus. Les réunions avec la ville, on m'appelle en même temps, pour pouvoir avoir des remontées de terrain. Donc, c'est une manière de faire qui était un petit peu, je ne vais pas dire inédite, parce qu'on a la chance de travailler pas trop en silo à Est Ensemble. En revanche, ces réunions régulières avec les villes, avec la DG, sur des remontées de terrain très concrètes, comme la collecterie a pu nous faire, ou d'autres ressourceries ou d'autres structures de l'ESS, ça a permis pour nous d'ajuster nos dispositifs d'aide. Et le fait de dire qu'il fallait continuer à lancer les marchés, typiquement, qu'on n'a pas arrêté à les lancer, qu'on a accéléré nos méthodes de décaissement des subventions, des prestations, qu'on a généralisé les avances également, et qu'on a exonéré des loyers toutes les personnes qui sont hébergées dans nos équipements économiques. Effectivement, sur la question des acomptes et des avances sur les subventions qui étaient liées à des projets et pas forcément sur du fonctionnement en tant que structure, pour la structure en tant que structure, en fait, pas sur du projet. Il y a eu encore aujourd'hui des méthodes, des réponses qui étaient un petit peu différentes dans le cadre de l'appel à projet de nos collègues du déchet, donc sur des projets de sensibilisation, réemploi, la réduction des déchets. Ce qui a été décidé, c'était de financer, de verser 80% des projets, mais en proposant de repousser les actions à l'automne. On sait très bien que ces actions-là, pour certaines, ne pourront pas forcément être repoussées à l'automne parce que tout est repoussé à l'automne. Enfin, je pense que vous aussi, vu la quantité de réunions ou d'actions ou de colloques qui seront repoussées en septembre, on sait très bien que ça peut être une difficulté. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle on sort des argumentaires auprès de notre direction juridique et également de la DG pour dire qu'il faut en réalité supprimer ces actions, partir du principe que ce qui n'a pas été fait au printemps et qui est lié à l'ouverture notamment des écoles, des EHPAD, rassemblement du public sur l'espace public, on ne sait pas dans quelle mesure ça pourra être fait, et donc du coup supprimer ces actions et de soutenir les associations en préservant notre partenariat et en versant la subvention. Donc voilà, donc ça c'est en cours chez nous. On sait que c'est une vraie difficulté, on s'appuie sur les expériences d'autres collectivités, notamment Paris, notamment Rennes également, ou d'autres qui ont décidé de maintenir les subs entre guillemets coûte que coûte. Voilà. La suite de ce qu'on a fait, nous on s'est appuyé un peu en parallèle de ce qu'ont fait nos collègues de GPSEA, sur le soutien notamment sur les marchés. Nous, on est très mobilisés là-dessus, déjà parce qu'on fait chaque année des conventions d'affaires avec, pour nos marchés publics et ceux des villes du conseil départemental, de la commande publique, en fait, qui est en train de se transformer, qui devient de plus en plus responsable avec des clauses pas que d'insertion, mais environnementales qui sont assez exigeantes. Et on sait aussi que la majorité de nos marchés, en fait, de manière tout à fait transparente, en tout cas à Est Ensemble, on a 5% je crois, de nos marchés dont l'attribution
et pour des TPE-PME réellement de notre territoire, enfin de nos 9 villes. Et c'est idem pour, c'est pareil pour l'ESS. Donc, on souhaite vraiment avoir une augmentation de cette part en fait, d'attribution sans faire de distorsion de la concurrence. Mais ça passe par la préparation de nos TPE-PME et des structures de l'ESS à la réponse à ces marchés, à leur faire comprendre l'opportunité de se regrouper selon tel ou tel marché, et puis à nous aussi d'améliorer notre commande publique. Et cette préparation-là pour nos propres marchés publics, ça les prépare aussi dans le cadre des JO 2024, notamment, où on a eu des marchés qui étaient plutôt bien allotis, plutôt sur des missions qui pouvaient être faites par des structures de l'ESS. Je ne sais pas si vous avez vu celle qui était lié à l'accompagnement à l'entrepreneuriat social d'ex-sportifs devenus entrepreneurs, à la fourniture mobilier en économie circulaire. On avait des niveaux d'exigence assez élevés, en tout cas dans les critères de sélection et de clauses qui étaient dedans. L'économie circulaire était dedans, l'insertion professionnelle est dedans, l'impact social et local était dedans. Et donc, pour pouvoir répondre à cette commande-là et changer en tout cas, changer la manière de travailler parfois ou j'ai des chiffres pour des structures qui en ont besoin. C'est important de pouvoir s'y préparer dès maintenant parce qu'on a une petite opportunité qui se multiplie. Voilà. Et en parallèle, sur Saint-Quartier, ça, c'était déjà une démarche qu'on avait engagée avant l'histoire du Covid, mais on voulait revoir la manière dont construire certains projets, notamment des projets locaux qui demandaient une certaine forme de solidarité infra-quartier ou infra-territorial. On a une démarche qu'on appelle la tontine des projets locaux, que vous peut-être vous connaissez, les tontines financières, chacun, enfin si 10 acteurs se mettent sur de la table, chacun 50 euros et du coup une enveloppe de 100 euros qui est attribuée à un premier acteur, et puis le mois d'après, idem, et voilà, et on fait le tour comme des acteurs. C'était une manière, il y a très longtemps, de faire une espèce d'épargne passée par les banques. Aujourd'hui, on a voulu, sur Artier de Montreuil, un peu plus haut que là où se trouve la collecterie, développer ce type de projet-là en disant que ce qu'on met sur la table, ce n'est pas forcément du financier, mais c'est également de la compétence, du matériel, de l'immobilier, de la subvention, du bénévolat. Et ça permet de créer un groupe d'acteurs locaux qui ont des projets développés et qui souhaitent mettre en œuvre, mais lesquels il manque parfois de certaines compétences, et donc de travailler ensemble pour le bien d'un territoire, pour le bien d'un quartier, et de faire en sorte qu'on soit vraiment dans du concret tout en animant des groupes habitants entrepreneurs. Voilà. D'accord. Que, juste expliquer ce projet de tontine. J'ai encore d'autres choses à dire, mais Anne-Laure, tu veux dire un truc? Non, excuse-moi. Oui, sur le projet de tontine, je n'ai pas très bien compris, les tontines rassemblent des associations ou des entreprises, ou ce sont des particuliers qui font partie de la tontine? Alors, ce sont des associations, des entreprises et des habitants de la tontine qui se rassemblent pour dire qu'ils décident pendant une période indéterminée qui peut être très longue de mettre à contribution une compétence ou du matériel en se disant qu'on les 6 mois, enfin tous les 4 ou 6 mois, et que viendra son tour au bout de 4 mois, 8 mois, enfin voilà, etc. Donc le but, c'est vraiment de se concentrer sur un territoire, sur un quartier, plus ou moins. Nous, on a choisi un quartier, donc c'est le quartier Montreux en innovation urbaine, donc innovation notamment sur le bâti avec d'espaces en pied d'immeuble, donc d'espaces immobiliers en pied d'immeuble, en se disant que si on est en amont de cela, de ce PRU, avec des projets, ça veut dire qu'on va pouvoir inscrire auprès de l'ANRU également des projets économiques qui ont besoin d'immobilier de telle ou telle dimension, avec besoin économique derrière, de soutien économique derrière. Voilà. D'accord, merci. Merci. Et si je peux terminer sur alors ça c'est ça fait ça fait
Alors moi, j'ai pas terminé en fait. Je voulais juste dire un mot sur nous, notre accompagnement financier à la reprise. Du coup, je remets la caméra. Alors, comme beaucoup d'entre vous, vous avez été sollicités par la région et peut-être par des acteurs leaders comme France Active sur des abondements à tel ou tel fonds. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire valide, d'avoir des arbitrages là-dessus. Mais on sait que l'on peut soutenir, parce que vous avez déjà auparavant, le fonds d'avance remboursable de France Active, également le fonds initiative, donc pour l'ESS et pour les TPE-PME, donc on va dire l'acteur de l'économie de proximité de notre territoire. On participera aussi à la hauteur, on n'a pas le montant, mais ce sera autour du demi-million sur le fonds résilience de la région également, mais qui est un prêt. Et puis, on avait déjà rebouté avec les acteurs chez nous qui nous disent que les opportunités de prêt multiplié, que ce n'est pas forcément une réponse adaptée à leur capacité, parce que qui dirait, enfin, voilà, il faut rembourser la créance à un moment ou à un autre, même si c'est décalé dans le temps, même si on est un prêt à tout gros. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, là, on fait valider auprès de notre un fonds très doté d'à peu près, comme lui, du fonds résilience, alors c'est pas encore finalisé, hein, mais qui serait dédié au fonds de subvention. Plutôt du fonctionnement, passant de l'investissement, des acteurs ESS, des acteurs impact environnemental ou acteurs qui agissent pour la transition écologique ou la résilience du territoire, qu'on puisse débloquer ces fonds-là rapidement pour l'automne, parce qu'on est en mai et on sait très bien que ça prend un peu du temps. C'est un fonds d'urgence, une trésorerie, mais qui sera un fonds pour la stabilisation et le développement des activités de ces SO ou de ces entreprises. Et c'est terminé, j'ai terminé pour ma part. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie. Séverine, tu avais un complément? Oui, je n'ai pas parlé du financier. Et du coup, ça suit exactement ce que dit Élodie. Nous, la priorité, ça a été quand même de maintenir les salaires. Ça, c'était la première des priorités de tout, en sachant que nous, les salaires, ça correspond à 35 000 euros par mois pour les 30 personnes et qu'on avait 33 000 euros sur le compte. Donc, ça bloquait. Et donc, on a fait un peu de forcing auprès de notre banque. Enfin, déjà, on a contacté France Active, qui était prêt à nous faire un fonds de confiance. Et ils ont négocié auprès de notre banque pour que eux se bougent un peu, puisque on avait le droit au truc de l'État, là, du prêt à taux zéro. Et du coup, on a réussi à obtenir un prêt de 100 000 euros auprès de notre banque. Mais comme disait Élodie, un prêt de 100 000 euros, il faut le rembourser. Mais ça a été notre priorité, c'était de pouvoir garantir les salaires. Et après, on a tout arrêté, les loyers, les charges. Mais ça, c'est pareil, il va falloir les payer. Donc là, ça va. Mais je ne sais pas comment ça ira à l'automne quand on va reprendre le paiement des loyers avec le retard. L'URSSAF, on ne sait pas trop quelle position ils ont aujourd'hui, s'il y avait à avoir un allègement ou pas. Mais donc, voilà. C'était juste ça que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. Il y a Anne-Sophie Ramard de l'agglomération de Roissy en France qui témoigne qu'il y a des bailleurs qui ont maintenu leur soutien auprès des acteurs de l'ESS et donc notamment auprès de la ressourcerie. À Roissy en France, donc je ne sais pas si vous travaillez également avec des bailleurs sociaux et que la démarche sur Roissy a été appuyée à la fois par l'AGLO et par le Centre Ressources Politiques de la Ville. Nous, on a une grosse partie du local qui est en privé, donc on a essayé de négocier, il n'y a rien à faire. Après, on a une partie de local qui est à la ville de Montreuil, donc c'était déjà un avantage en nature pour les gratuitement. Et après, la petite boutique en centre-ville, c'est un bailleur social. Il ne s'est pas trop positionné encore, on attend de voir. D'accord.
Ouais. Et nous, on travaille avec les bailleurs sociaux justement pour les faire, pour faire les exonérations de charges et pas juste un décalage de charges, mais supprimer, enfin pas de charges de loyer, pardon, de supprimer les loyers pendant le temps du confinement. Donc j'espère que tu auras une réponse positive, Séverine. Oui, j'espère. Merci. Il y avait une question sur les expériences en cours, où des collectivités décident, après le Covid, de s'engager durablement dans des partenariats avec les circuits courts. Hein. Est-ce que, alors je ne sais pas si côté Est Ensemble ou GPSEA, vous avez ce type d'objectifs, hein, ou d'actions mises en place, ou s'il y a d'autres initiatives, hein. Je n'ai pas bien saisi la question, je suis désolée, Anne-Laure. Est-ce qu'il y a des collectivités qui ont décidé de s'engager durablement dans des partenariats avec les circuits courts? Suite au Covid. Alors, moi, du coup, ouais. Alors, suite au Covid, oui, ça l'a renforcé. Côté Est Ensemble, effectivement, la question des circuits courts, notamment alimentaires, c'était déjà dans nos tuyaux, parce qu'on a créé une association il y a très peu de temps, enfin, il y a quelques temps, mais on dirait qu'il est vraiment active depuis le mois de novembre dernier, qui s'appelle Lac3S. On en avait déjà parlé lors de la dernière réunion avec certains collègues, collectivités territoriales. Donc oui, la question de l'alimentation durable locale et de l'agriculture urbaine, ça fait partie de nos chantiers en fait depuis plusieurs années. Donc oui, de fait, ça les renforce. On a la chance d'avoir beaucoup d'acteurs sur le territoire qui sont déjà positionnés sur les circuits courts, qui ont, durant la crise, continué à faire leur distribution alimentaire. Alors, pas en mode solidarité, pas pour les habitants en grande précarité, même s'ils l'ont fait en supplément, mais notamment pour les écoles, les hôpitaux, ce genre de choses. Et donc, le travailler les invendus ou les légumes et les fruits délaissés pour les réutiliser en matière première pour l'alimentation, c'est déjà fait et on va le renforcer de manière à pouvoir créer des filières, parce qu'on a à la fois des zones de maraîchage urbain, d'agriculture urbaine, et en même temps, en bout de chaîne, des restaurateurs, traiteurs solidaires qui travaillent cette matière-là plus localement. Donc oui, ça se renforce. Du coup, côté GPSEA, alors nous aussi, pareil, on avait déjà un travail qui était important côté alimentation sur le circuit court, avec la mise en place d'un PCAET, un PAT, et l'idée vraiment de travailler sur comment renforcer les circuits courts. Et en plus, aujourd'hui, on ajoute, effectivement, on va renforcer via les appels à projets et choses comme ça, le côté relocalisation et circuits courts. Et on ajoute à ces côtés-là, un point sur lequel on travaillait peu, c'est tout ce qui est cycle logistique. Et bon, du coup, parfait que la course cyclette soit invitée aujourd'hui, notamment avec la course cyclette sur ces points-là. Donc l'idée, voilà, c'est de renforcer quand même les circuits courts et de travailler avec les structures qui pourront les mettre en place. Merci. Il y avait aussi une question de Marc Feugère de Châtenay-Malabry qui se dirigeait pour Steve, je pense, sur les structures productrices de légumes et fruits qui avaient été citées. Pouvez-vous les relister? J'ai noté les producteurs urbains, mais pas les autres. Je ne sais pas si c'est Steve qui a la réponse. Si, je suis là, je rebranchais mon micro. Oui, alors, il y avait le paysan urbain, oui, mais alors là, on est plus sur les structures d'agriculture urbaine. J'en avais cité trois, évidemment, il y en a d'autres. Hein. J'avais cité le paysan urbain, du coup. Il y avait la ferme du rail, qui est située à Paris, qui est un projet à la fois de formation, d'habitation et de production agricole. Allez voir sur leur site ou regardez dans l'étude, c'est un petit peu évoqué, c'est un modèle très intéressant. Et j'en avais cité un troisième qui était la tour maraîchère à Romainville, qui est en gros une tour avec, alors il y a des espaces un peu jardin partagé ou familiaux, je sais plus exactement lequel des deux, plus dévolu à la sensibilisation. Et il y a des étages de production maraîchère, il y a peut-être aussi des fruits,
faudrait vérifier. Et ça va fonctionner sur le principe de l'insertion. Donc là, au moment de la rédaction de l'étude, le projet était bien avancé, mais pas encore en fonctionnement. Je ne sais pas s'il a commencé actuellement, mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait être très bien. Non, alors du coup, je peux en parler parce que c'est le territoire d'Est Ensemble, effectivement. Donc, c'est un projet qui est porté par la ville, donc 100% ville, qui sera fait en régie. Donc, c'est vraiment une première. Effectivement, ce sont deux énormes tours vitrées, un peu comme des immenses serres, pour faire de la production de fruits et des légumes qui seront vendus localement et aux habitants, mais localement également sur le territoire. Et la construction de ces tours a bien plus que bien commencé. Ça a pris forcément un petit peu de retard, mais normalement, ça devrait vraiment sortir de terre cette année pour le démarrage de cette nouvelle activité avec des agents de la ville. Voilà. Ok. Merci. Clémence, il y a d'autres questions ? Oui, il y a une question sur le réseau Coup de pouce vélo. Est-ce qu'en tant que ressourcerie, ressourcez-vous, nous réparons des vélos ? Est-ce possible de faire partie du réseau Coup de pouce vélo de Camille Fénaudeau ? Je ne sais pas si... Je l'ai fait sur le module conférence. La question porte sur la plateforme du gouvernement Coup de pouce vélo qui vise à rembourser 50 euros de réparation, c'est ça? Oui. D'accord. Alors ça, je peux répondre. Alors oui, les ateliers vélo sont éligibles. Ça prend une forme un petit peu différente que si on va voir un réparateur classique. Mais les 50 euros permettent, par exemple, de payer les frais d'adhésion à une association qui fait de la réparation accompagnée de vélos. On va voir un exemple de ce type de structure cet après-midi. Oui, dans l'absolu, c'est éligible. Alors après, le détail des démarches pour se faire référencer sur la plateforme Coup de pouce vélo, ça je ne pourrais pas vous dire. Ok, merci. Et alors, pour les questions-réponses, c'était tout. Je vérifie dans le module conversé. Une question de Madame Benzenati. Je souhaitais savoir si le FSE pouvait financer les types d'initiatives liées à l'économie sociale et solidaire. Oui, je pense qu'on peut... On peut répondre oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si côté ressourcerie ou course cyclette, vous avez des financements du Fonds social européen. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Non, nous, on n'a pas de FSE, nous. Là-dessus, c'est sûr que... attends. Là-dessus, c'est sûr que c'est un sujet un petit peu compliqué parce que le FSE, il y a un certain nombre de contraintes administratives dans la gestion directe du financement qui font que beaucoup de structures ESS s'y risquent pas forcément parce que c'est quand même assez lourd à gérer en fait. Mais il y a aussi des structures ESS qui en bénéficient et qui y ont recours. Toujours des problèmes d'accès. Mais... Il est 13h. Ok, et il y avait une autre question de M. Benzenati. Avons-nous une visibilité sur les personnes qui pourraient participer à des projets tels que cités par les conférenciers, vers des projets autonomes ou vers un emploi auprès d'une entreprise? Ouais, on t'entend pas, Léo. Vous m'entendez là? Ouais. Oui. C'est là-dessus, je vais pas forcément pouvoir répondre de façon très précise là-dessus parce que là on est plutôt sur une question qui va avoir très plutôt à la question des structures d'insertion à mon sens
Là, enfin, il y a des choses sur les territoires zéro chômeur ou des choses comme ça, mais au-delà de ça, je vais pas trop pouvoir répondre de façon plus précise. Ok. Alors, je vois qu'il y a trois personnes qui ont levé la main. En fait, je suis désolée, je n'avais pas vu. Fabienne Liedo, Bruno Fiallo et Madame Fuchsmann. Alors, qu'est-ce qui peut ouvrir le micro? Je suis désolée, Pierre-Alain, c'est toi? Ouais, je peux activer les micros s'il faut, mais est-ce que c'est bien la demande de ces personnes? Est-ce qu'elles ont bien un micro, ces personnes, si elles veulent intervenir? Si elles peuvent nous mettre alors, un petit message en converser. Fabienne, il y a une question. Par contre, Bruno Fiallo souhaiterait intervenir. Eh bien, Bruno Fiallo, je te donne le micro. Voilà. Allô? Bonjour? Oui. Bonjour, oui, c'est très bien qu'il y ait cette initiative parce que la feuille de route de Grand Orly-Sainte-Bièvre est en train de changer. La direction du développement économique avec la direction générale est en train d'ajouter des paragraphes à sa nouvelle feuille de route pour 2020-2023 suite au Covid. Et donc, il y a deux options nouvelles qui sont ajoutées. La première, c'est ça s'appelle « Entreprendre autrement ». C'est-à-dire que, par exemple, samedi prochain, je vais aller dans un quartier politique de la ville, à Choisy-Sud, avec le centre social de quartier. Et nous allons rencontrer toutes les personnes qui ont perdu leur emploi, qui étaient avant Uber ou des choses comme ça, ainsi que les jeunes qui ont fait les livraisons de paniers pour la mairie dans le quartier populaire, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans ce quartier, beaucoup de morts du Covid et bien sûr une crise sociale comme en Seine-Saint-Denis, comme on voit dans les médias. Donc ces jeunes-là, l'idée c'est de les mettre en valeur, ils ont le permis ou ils vont avoir le permis. Ceux qui étaient dans Uber qui ont tous été licenciés, ceux de chez Renault qui viennent d'apprendre qu'ils vont probablement être licenciés, 260 personnes, donc ça fait beaucoup de monde. Et donc l'idée avec eux, c'est de monter avec les collègues de l'URSCOP et les collègues des Cigales, de monter, ou Copanam, de monter avec eux une coopérative, peut-être en version territoire zéro chômeur, des coopératives de circuits courts et répondant à des besoins locaux. Donc voilà ce qu'on va essayer de travailler avec les habitants eux-mêmes en direct. Il y a un deuxième axe qui est en cours de proposition, c'est de monter une école de formation avec des partenaires, notamment l'UPEC et peut-être Arts et Métiers et d'autres, sur la formation, transformer les habitants de nos quartiers populaires en manager, mais en manager, j'aime pas ce mot, en dirigeant de l'ESS et avec les coopératives éphémères, tester leurs idées et voir si ça fonctionne sur le territoire, sur le maillage du territoire. Donc, circuit court, local, relocalisation, etc. Troisième chose, et ça c'est important, ça y est, l'ESS a son option officielle dans la feuille de route du développement économique. Bon, ça c'est lié au développement du travail qu'on fait avec la CRES au niveau du bassin d'emploi, mais les financements des Cigales sont officiellement mis en valeur. Nous finançons maintenant le réseau des Cigales, le territoire. Donc nous développons enfin, mais très très précisément et concrètement, l'ensemble de ce réseau. Et donc là, nous développons aussi les fameux marchés réservés qui étaient très théoriques au début et maintenant ça devient très concret. Donc cet ensemble de mesures fait partie très officiellement de la feuille de route. Avant, c'était notre boulot, c'était très interne, c'était pas écrit. Là, c'est écrit et c'est développé officiellement par notre président. Bien sûr, on attend les réélections là dans quelques semaines, mais voilà. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est acté, en tout cas en interne, par le directeur du développement économique et par la direction générale. Ces deux options, option entreprendre autrement et l'option développer l'ESS sur le territoire, c'était avant des petites lignes, et maintenant, ce sont des options officielles dans la feuille de route, en grand, voilà, et en gras. Et on est content. Et on va voir ce que ça donne, parce que ça va être difficile de récupérer le morceau dans les quartiers populaires à Choisy, à Vitry, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de misère et il y a un gros travail
j'aime pas ce mot-là, mais d'acculturation au coopérativisme à faire avec tous ces jeunes qui étaient fiers et contents d'être chez Uber et qui maintenant se sont cassés la figure. Donc, vous voyez, il y a un travail aussi bien social, culturel et économique immédiat de survie et travailler le long terme avec eux et avec le soutien du territoire. Donc, ça veut dire que des lignes budgétaires vont être développées. Voilà, j'arrête là. OK. Merci beaucoup, Bruno, pour ces bonnes nouvelles et puis bravo pour le travail, pour tout le travail effectué sur le territoire. Peut-être en complément, parce que par rapport à ce qui a été dit, qui a présenté vraiment de nombreux leviers possibles pour les collectivités, je voulais juste partager l'expérience de Rennes Métropole qui a introduit très récemment, il y a quelques jours, dans le cadre de ses aides aux entreprises, qui a décidé d'attribuer un bonus de 20% à ces subventions aux entreprises dans le cas d'engagement sur des bonnes pratiques en matière sociale ou environnementale. Et donc, par exemple, sur l'aspect énergie eau, tout ce qui était approvisionnement vert ou réduction de la consommation d'énergie, sur la mobilité, covoiturage, plan de déplacement des entreprises ou sur les achats durables, avec donc des politiques d'achat durable et le recours au commerce équitable. Donc, je trouve que c'était aussi intéressant comme initiative où une collectivité incite l'ensemble des entreprises de son territoire à adopter des bonnes pratiques sociales et environnementales. Voilà. Écoutez, je ne sais pas s'il y a plus d'autres... Il y a juste une question pour le PTS Ensemble. De Marianne China, est-ce que le PTS Ensemble envisage-t-il l'équivalent de la présentation qui vient d'être faite par Bruno Fiallo de Grand Orly Sainte-Bièvre? De dupliquer la présentation que j'ai faite, c'est ça? J'entends, en fait, je suis désolée, j'entends saccader, du coup, Pardon, la question c'est est-ce que... ce qui vient d'être présenté et ce qui a été fait sur Grand Orly Sainte-Bièvre est aussi envisagé sur le PTS Ensemble, je pense. Oui, j'ai pas entendu ce que disait Grand Orly Sainte-Bièvre, donc on peut dupliquer en tout cas la présentation de ce qu'on a mis en place durant cette période, et après, surtout, notre vision, nous, de l'ESS, et comment on souhaite la soutenir, il n'y a aucun problème pour qu'on puisse en parler auprès d'autres territoires ou ensemble. Voilà. Oui. La question était peut-être aussi, est-ce que les mesures présentées par Grand Orly de Sainte-Bièvre allaient être inspirées, on va dire, Est Ensemble, hein? Bien sûr, on évite de faire les choses de notre côté, de la même manière qu'on s'inspire et qu'on travaille avec les acteurs de terrain, tout ce qui se fait. Alors, on est d'autant plus attentif que Grand Orly Sainte-Bièvre fait beaucoup de choses et en avance par rapport à nous sur certaines questions. Donc, je le regarde avec beaucoup d'attention. Merci. Et c'était donc plus particulièrement sur leur action auprès des habitants perdant leur emploi. Voilà. Sur la question de l'emploi et des habitants qui perdent leur emploi, alors nous, sur les questions coopératives, on est effectivement un peu moins avancés. C'est quelque chose qu'on doit mener avec nos acteurs de l'emploi et de la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous, on s'était plutôt axé sur les assos et entreprises qui de la transition, pas forcément sur la question de l'emploi, enfin sur cet axe-là, emploi, coopérative d'emploi et tout. Mais ça va arriver assez vite, effectivement, donc il va falloir qu'on se penche dessus. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, Anne-Laure, si tu... Ok, ben merci beaucoup. Léo, le mot de la conclusion, Léo ? De la conclusion de la matinée, on va dire. Je ne vais pas forcément rajouter beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là dans les discussions. Je trouve intéressant quand même qu'on ait pu confronter plusieurs retours d'expérience de collectivités et de structures. Parce qu'on a bien vu quand même qu'entre une ressourcerie dont l'activité comprend un accueil du public et qui est du coup a quand même été rendu quasi impossible
par le confinement et la course cyclette qui fait beaucoup de choses et qui du coup a pu se concentrer sur les choses qu'elle pouvait faire, il y a quand même des structures ESS qui ont vécu des situations un peu différentes et qui du coup peuvent envisager l'avenir avec plus ou moins de confiance. Donc c'était intéressant quand même de pouvoir confronter ces expériences-là à ce qui a été mis en place directement par les collectivités, là aussi de façon un peu différente selon les territoires. Je rappelle juste une chose, peut-être avant qu'on se quitte, c'est qu'au niveau de la CRES, ce qu'avait évoqué Steve tout à l'heure, on a une convention avec l'ADEME, et dans le cadre de cette convention, on élabore des fiches outils pour les collectivités. Donc, si vous avez des expériences à partager, j'ai partagé le lien dans le module conversé tout à l'heure. N'hésitez vraiment pas à remplir le Frama parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir ensuite exploiter pour que vous puissiez tous avoir des outils pour dupliquer des choses intéressantes qui se font sur les différents territoires. Ça vaut aussi pour cet après-midi, évidemment. Alors, du coup, pour cet après-midi, donc à 14h, on aura un atelier sur l'approvisionnement alimentaire durable. Donc qui sera vraiment centré sur ces thématiques de circuits courts et d'alimentation qui, pendant la crise, ont été quand même un peu mises en avant. À 15h30, on sera plutôt sur un atelier sur le réemploi et la réparation, sous l'angle, pour une fois, de la réparation, puisque bon, là, on a un petit peu parlé ressourcerie ce matin. C'est un angle qui commence à être un petit peu connu, même si ça mérite toujours d'en reparler. Mais là, du coup, on va prendre plutôt l'angle de la réparation et de la réparation de vélo, en l'occurrence. Et donc, ça sera intéressant de changer un peu de perspective. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous et toutes. Pour votre participation à ce webinaire et on vous retrouve tout à l'heure à 14h. Bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup. À tout à l'heure.